Donc il y a une bonne semaine, d'intenses combats se déroulaient à Djamena. En se retirant, les rebelles et les gouvernementaux ont laissé de nombreuses carcasses dans la ville, dont ce pick-up portant un type 63, un lance-roquettes multiple type 63. Visiblement, l'engin a été strafé par les hélicoptères gouvernementaux et la position est intéressante parce que nous sommes ici au croisement de l'avenue Charles de Gaulle et de ce côté-là, il y a la présidence. Les rebelles venaient de par là. En fait, ont été pris en enfilade par les tirs de T-55, mais également par les hélicoptères de combat Mi-24 qui les prenaient un petit peu dans le dos. Ces derniers ont surpris beaucoup de véhicules dans l'enfilade des rues amenant à la présidence. On peut noter que les roquettes ont fait d'intenses dégâts sur les arbres.
La marine nationale est également présente sur la plateforme de N'Djamena avec ses patrouilleurs atlantiques. Normalement, ce sont des avions marins, mais le commandant peut peut-être nous en dire un peu plus. Oui, ce sont des avions qui ont été conçus pour la lutte anti-sous-marine et le survol des grands espaces océaniques. Et cet avion, en fait, est très utile également en Afrique. Comme vous le constatez, nous sommes présents au Tchad. C'est un avion d'observation qui dispose de capteurs très performants qui lui permettent de survoler avec une grande autonomie donc ce grand pays qu'est le Tchad pour établir une situation tactique. Donc les observateurs regardent au sol, les conditions météo sont bonnes, différents capteurs optroniques et optiques, des appareils photo, des caméras infrarouges nous permettent d'observer le sol et de positionner les différents protagonistes, ce qui permet au contrôleur opérationnel, au chef, d'avoir une situation tactique la plus précise possible. Massakori, c'est ici. J'avais N'Djamena, Massagué, Massakori. Ici, c'est une piste. C'est une grande piste. La chronologie de l'événement, ils arrivent à Hati, à Oumadjar. En fait, ils se sont infiltrés en débordant et en contournant Abéché, sans doute sur plusieurs colonnes. Entre Oumadjar et Hati, ils se sont regroupés, ils ont foncé vers ici, ils ont bifurqué vers Massakori. Je ne crois pas qu'ils soient passés à Moucheron. Ils ont bifurqué à Massakori. Et ils ont cherché, donc ils ont dû se recompléter ici, à Massakori, et ils sont descendus vers Massagué et N'Djamena. Et là, les Tchadiens qui s'étaient fait déborder, donc ils n'avaient pas vu, je crois que de N'Djamena, ils sont montés pour essayer de pour leur couper la route. Et là, sans doute une première fois, ça ne s'est pas bien passé. Ou alors il y a eu un premier combat, ils ont réussi, mais ils n'ont pas tenu. Donc ils ont décroché, ils sont venus, et après ils ont recherché le contact. Et là, ça n'a pas bien marché. Nous sommes ici à 5-6 km au sud de Massagué, à peu près à 80 km au nord de N'Djamena. C'est sur cette position que le président Idriss Déby a tenté de marquer un coup d'arrêt face à l'offensive rebelle. La bataille, les restes que nous voyons sont typiques des tactiques utilisées par les Tchadiens qui recherchent l'imbrication. Et nous avons sur... C'est étendu à peu près une vingtaine de véhicules détruits qui sont essentiellement des Toyota. Le Tchadien a une conception un petit peu médiévale de l'art de la guerre puisqu'il utilise très peu les armes d'appui mais cherche l'affrontement tel les chevaliers du Moyen-Âge dans les tournois. C'est à qui se canardera le plus près possible à bout portant à la 14-5 et quelquefois même avec des armes à tir courbe, mais qui là sont utilisées à tir tendu comme des types 63 chinois. Mais il n'y a pas vraiment de tactique de débordement sur les ailes et des choses comme ça. On essaie de couper en deux la colonne adverse. Je dirais que ça s'apparente plus au combat naval de la marine à voile, où on essaie de barrer le T. Alors j'ai remarqué une chose, il y a aussi beaucoup de fantassins qui montent à l'arrière des 4x4 avec des kalachnikovs. Ont-ils un rôle dans la bataille? Je crois que... Ils n'ont pas un rôle dans la bataille même et ils sont utilisés après. Ce qu'il y a, c'est surtout la 14-5 et les armes, les mitrailleuses du type PKM ou Dektiarev en 12-7 qui sont utilisées. Voilà, une autre des constantes du combat tchadien, c'est l'emploi massif des RPG.
Ceux-ci ont sans doute été mis de côté après que le véhicule derrière nous ait explosé. Alors la technique est simple. Les fantassins dont nous parlions sautent du véhicule, engagent et remontent dans le véhicule. Bien sûr, on ne peut pas tirer un RPG à partir du véhicule puisqu'on brûlerait, disons, tous ses petits camarades. Il y a autre chose, c'est qu'on peut voir que les munitions n'étant pas spécialement bien entretenues, énormément de RPG n'explosent pas. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs à la saguée du lieutenant Rimbert à l'aéroport de N'Djamena. Ici, par exemple, on voit que certaines charges propulsives ont brûlé, et ce qui n'a pas entraîné la destruction de la roquette. Maintenant, si vous vous promenez sur un champ de bataille, ne touchez à rien. La guerre a hélas son prix et nous avons ici une tombe, sans doute une fosse commune, qui a été hâtivement creusée après la bataille. La tactique des rezous est excessivement coûteuse en vie humaine. Ici, la vie d'un soldat n'a pas du tout la même valeur que chez nous en Occident. Dans nos états-majors, on cherche à économiser la vie humaine. Ici au Tchad, le but à atteindre, c'est de gagner, quel qu'en soit le prix. Alors, par quoi a été détruit ce véhicule 4x4 ? Bon, on ne peut pas vraiment le dire, mais il y a une signature, c'est ceci, qui est le culot d'une roquette chinoise type 63. Ce sont des lance-roquettes multiples légers à 12 tubes que les Tchadiens mettent, les Moudjahidis aussi du commandant Massoud et les talibans mettent sur leur Toyota ou sur des camions légers du type gaz. Ceci bien sûr n'est plus aucun danger puisque la roquette a explosé, mais la proximité de ce culot à côté du véhicule démontre sans doute que celui-ci a été détruit par un tir de roquette. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que les Tchadiens, n'ayant pas de culture de l'arme à tir courbe, les utilisent en tir tendu. Alors, ces combats à bout portant sont un petit peu dans l'âme du pays, dans la Rezou qui depuis des millénaires oppose les gens du sud et du nord. Maintenant, à l'époque moderne, si ces Tchadiens allier leur courage liquide, parce que c'est un courage liquide qu'ils ont, à des tactiques un peu plus élaborées avec des appuis, ce serait sans doute une des meilleures armées d'Afrique. Eh bien, voici Théodore, donc notre ami tchadien qui s'initie avec l'équipe d'assaut Parabellum Media à la spécialisation militaire. Et il va nous parler de quelque chose d'important en Afrique. Ce sont les gris-gris. Voilà, tout à fait. Dans la conception tchadienne, on appelle ça gris-gris ou soit les amulettes. Alors, pendant les combats, les soldats utilisent pour la protection, pour être exemptés des tirs. Ce que nous avons devant nous, donc c'est ça. Mais c'est des morceaux des petites sourates du Coran, non ? À l'intérieur, c'est des plantes qui ont des vertus. Des vertus, oui. Voilà, des plantes surtout africaines qui ont des vertus, qui peuvent vous protéger lors des combats. D'accord. Mais ici, l'animisme se mêle à l'islam. Bon, c'est là le côté un peu paradoxal de la religion en Afrique. Et c'est peut-être ça qui est intéressant, parce que ça montre que les Tchadiens ne sont pas des islamistes intégristes. Voilà, parfaitement. Les gens se disent, musulmans, mais ils ont des amulettes sur eux, les protègent contre les dangers. Eh bien, c'est un islam que nous respectons et nous allons aller boire une gala ensemble. Ah, parfait, parfait. We'll be right back.
justement en présence du lieutenant Turpin et du marsouin Trouveur. C'est le marsouin Trouveur, alias Terreur. Alsacien. Donc oui, ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. On était chercher l'assistant sur le PR3 et lorsqu'on était PR3, point de regroupement, parce que je dis ça, c'est parce que les gens ne sont pas familiers. La cité Béguinage, au plein centre de N'Djamena. Voilà. Cité Béguinage, oui. Et on a été pris à partie, sans savoir, ils ont cru que c'était des rebelles. Ils tiraient sur n'importe quoi, donc on a été pris à partie dans un virage. Ils ont commencé à nous tirer avec la 14-5, à mon avis, et après, suite à un tir de char. Donc on a riposté et tout s'est calmé là. Ça. C'était les gouvernementaux, le char. Oui. Les gouvernementaux qui étaient avec le char. On ne sait pas exactement si c'est... C'était noir, on n'avait pas de visuel, on n'avait rien. Est-ce que c'est un tir de char, est-ce que c'est un tir de RPG, c'est assez difficile à dire, oui, surtout en pleine nuit. Et puis disons que la détonation est... c'est des détonations d'armes à tir tendu, bang bang. Voilà, un tir tendu. Alors est-ce que c'est un canon sans recul, est-ce que c'est un RPG? Vous avez riposté pour... Voilà. Là, c'est pas un phénomène soldat, enfant soldat, c'est des enfants mercenaires. Donc ça, c'est une question à traiter dans un autre contexte. C'est des soldats, des enfants mercenaires. Nous, on n'a jamais entendu parler de ça, ça n'existe pas dans le vocabulaire de la guerre. Maintenant, on va voir quelle stratégie traiter le phénomène de mercenaires, comment mercenaires enfants. Il y a des officiers, des sous-officiers, ou seulement des soldats simples? Il y a des miliciens, il y a des officiers, des commandants, c'est-à-dire. Il y a des officiers, des sous-officiers, des soldats, tous, ils connaissent leur grade. Le moment venu, un an, ils seront interrogés, ils diront leur grade. Oui. Il y a des jeunes gens là-dedans qui sont des musulmans aussi. Est-ce que malgré le fait qu'ils aient envoyé le Tchad, est-ce que vous pouvez espérer une certaine clémence pour les plus jeunes dans un geste de réconciliation nationale, par exemple? Mais c'est tous des musulmans. Oui. C'est tous des musulmans. Il y a pas. Est-ce que vous avez vu un chrétien là-bas? Non, mais c'est tous de la légion islamique. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des musulmans et donc. C'est tous de la légion islamique. Comment on appelle télécommandée par le Soudan, par Omar al-Bashir. Et pour les plus jeunes, est-ce que vous pourriez les remettre dans leur village, par exemple? Comment les remettre dans leur village? Ils sont jeunes, ils sont engagés dans cette voie. Peut-être on les reprendra pour les rééduquer, pour changer leur mentalité. Quand nous disons que c'est des mercenaires et de la Légion islamique, on ne le dit pas comme ça. Voilà les preuves. Vous avez sur cette table, vous avez des cartes de ces mercenaires. Soit ils sont de la Légion islamique, soit ils sont de la Qaïda,
soit ils sont des mercenaires purement et simplement. Voilà les preuves, voilà les différentes photos, voilà les différentes cartes, voilà les différents documents. Donc c'est une fois de plus, le gouvernement de la République du Tchad, le peuple tchadien, sont en droit de défendre corps et âme l'intégrité territoriale, l'indépendance du Tchad. Voilà, monsieur, madame les journalistes, ce que nous avons à vous présenter ce matin. Est-ce que vous considérez tous ces hommes comme des prisonniers de guerre? Bien sûr, c'est des prisonniers de guerre. Ce n'est pas des touristes. C'est des prisonniers de guerre. Ils sont venus envahir le pays. Ils ont été envoyés par Omar al-Bashir. Ils ont été envoyés par la Qaïda pour venir déstabiliser non seulement le Tchad, mais toute l'Afrique. Donc c'est des prisonniers de guerre. Et comme tels, ils seront jugés. Monsieur le ministre, quand vous les avez arrêtés, quel a été l'objectif de la mission? C'est-à-dire quoi? C'est des gens qui sont sur le terrain, ils ont été capturés comme des chiens. Combien sont-ils, monsieur le ministre? Ils sont, disons, à peu près 135. Il y en a d'autres qui sont, en débandade, et qui sont aussi arrêtés et qui seront envoyés ici à la gendarmerie. Quel est le pourcentage de Tchadiens parmi ces gens? La majorité, c'est les Soudanais. Oui. La majorité, c'est des Soudanais. Plus de 40%, c'est des Soudanais. Oui, et même les Tchadiens, les soi-disant Tchadiens, ce n'est pas des Tchadiens, c'est des mercenaires à la solde du Soudan. Donc nous disons que c'est le Soudan. Le Soudan et ses Soudanais. Il y a des autres nationalités? Oui. Bon, pour le moment, tous, ils se réclament soit des Tchadiens, soit des Soudanais. Mais je reste convaincu qu'il y a d'autres nationalités dans le lot. Donc, le temps presse, on vous a présenté sommairement ces différents prisonniers de guerre, ces mercenaires. Et je crois que maintenant, on étudiera leur cas par cas pour savoir qui est de telle nationalité, qui est de telle nationalité. Je m'appelle Ahmed Essar Hassan. Et d'où tu es? Quel pays? Oui. Quel village? Âge 19 ans. Et quel village? Au ville d'Abéché. D'Abéché? Oui. Vous avez quel âge? 19 ans. Et quand est-ce que vous êtes quel groupe de rebelles? FSR. De groupe d'Ahmed Soufian. Vous avez, ça fait combien de temps que vous êtes en rébellion? Ah là, je ne sais pas. Est-ce que vous étiez dans l'armée avant ou vous étiez dans le village quand vous êtes sorti avec les rebelles? Comment est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez dit? Je n'ai pas bien compris. Comment est-ce que ça s'est passé quand vous étiez avec les rebelles? Est-ce qu'ils sont venus dans ton village pour te chercher ou comment est-ce que tu as fait? Est-ce que les rebelles sont venus te prendre par la force? On a prendre par la force du gouvernement tchadien. Non. Mais il n'a pas répondu à la question. Rebelle de la Kikif, c'est un petit Benita ou la manager de. Non, moi j'ai sorti et que prendre moi au ville d'Abéché par leur force. Ils l'ont pris par force. Oui. Et le nom de ton commandant, comment s'appelait? Ahmed Soufian. Il est où maintenant? Il est au Soudan. Quand est-ce que vous avez traversé la frontière du Soudan pour venir au Tchad? Ça fait longtemps ou c'est récemment? C'est à Béché. Vous avez fait combien de jours pour venir à Yémen? Non, je suis arrêté à capturer au niveau de Tissi. Ce n'est pas aussi en Yémen. C'était quand tu as été capturé? Le 5 décembre. Ah, donc ça fait longtemps? Oui. Donc c'est pas au niveau des prisonniers? Non, je ne suis pas au niveau. Là, il est nouveau plutôt. Non, nous on n'a pas des anciens. Au niveau de Tissi. Le 5 décembre. C'était pendant une bataille ou comment est-ce que vous étiez arrêté? On n'a pas de prisonniers. On a fait des conflits d'armée et puis le côté gouvernement qui est capturé à nous. Pourquoi tu racontes ta vie? Allez, assieds-toi. Mais. C'est ça. Assieds-toi, j'ai dit.
trois tirs directs de RPG sur notre engin. Deux sont passés à côté au-dessus. Et la troisième a tapé l'avant de l'engin sans exploser. Donc elle était défectueuse. Elle a tapé juste sous la caisse à l'avant. Mais... Et ensuite elle s'est fichée en terre, donc on n'a pas pu la récupérer. Et ça, c'est un tir de SPG-9 qu'on a eu, qu'on a subi depuis le rond-point des buffes, qui a explosé juste devant le 50 mètres devant l'engin. Et après avoir explosé, la douille, enfin l'enveloppe, a sauté au-dessus, est passée au-dessus de la sagaie pour aller se rouler quelques dizaines de mètres derrière. En impact direct, on a eu quelques éclats de beaucoup de, d'éclats de, enfin de projectiles. En impact direct, on en a un sur le côté de la ici. Donc apparemment c'est qu'on on a souvent été accroché sur le côté gauche, donc la tourelle était souvent à 10h. On a un impact direct sur le volet et on n'a pas pu relever d'autres impacts, enfin on n'a pas trop cherché pour l'instant. Ça mitraillait énormément, ça passait souvent au-dessus. Et donc on a, le peloton a subi une 11 tirs de roquettes. On a eu deux tirs indirects de T-55 qui ont explosé juste devant le 50 mètres devant l'engin. C'était un T-55 qui tirait beaucoup trop haut, enfin qui tirait trop haut, et nous étions en contrebas donc on ramassait. Et là le SPG-9 c'était du tir direct, donc au moins deux tirs de SPG-9 depuis le rond-point des buffes. Et beaucoup d'impact de tir direct à la 14-5 notamment, et, mais des très mauvais tirs. Voilà. Ouais. Donc on a riposté, mon brigadier a riposté tout d'abord à la 762 coaxiale. Qui est très précise, qui a fait pas mal de, qui a été assez appréciée notamment par les fantassins le lendemain pour la précision dans les lisières, et on a tiré ensuite de l'obus fumigène sur le rond-point des buffes, pareil pour les masquer, ils nous saturaient de 14-5, et enfin on a tiré un obus explosif sur un tireur, ben, le tireur qui avait manqué, qui nous a touché avec sa roquette, qui a été détruit à 200 mètres à l'explosif. Voilà, de chaque fois les tirs ont été très précis. Bon, c'était du tir à 600 mètres pour le fumigène et à 200 mètres pour l'explosif. Alors nous étions sous blindage, c'était très facile pour nous. Mais vous verrez tout à l'heure mon groupe d'investigation, qui eux étaient débarqués des véhicules, n'ont pas eu le temps de faire des pauses de combat parce qu'on a été mis en place à 6h du matin, les combats ont commencé 2h après. Et eux étaient derrière des plaques de béton ou derrière des arbres, et quand ça a bombardé et que ça a mitraillé, bon, ils faisaient au mieux pour y poster, mais c'est surtout le comportement des légionnaires qui font qu'ils tiennent au combat. Et beaucoup d'entraînement pour les faire, c'est vrai, pour les faire tenir. Le lendemain, on a été accroché pendant 3 heures. Pareil, on a subi des tirs, notamment mon sous-officier adjoint, le chef Paumet, qui lui a essuyé 4 tirs de roquettes, dont un immédiatement direct, juste en se repliant, et qui était lui pris à partie par une 14-5. Et là, pour la défense de l'aéroport, on était en défense ferme. Et on a en fait tiré au canon uniquement en riposte. D'accord. Sur des tirs directs sur nous, sur le peloton. Il y a eu un peu de tout, du petit calibre, en passant par du 14-5, du RPG, du mortier et des tirs de T-55. Et est-ce qu'il y a des projectiles qui vont toucher ? Il y a eu pas mal de balles perdues. Heureusement, on n'a eu aucun blessé à déplorer au niveau du peloton. Oui. Et là, est-ce que le RC-90 a bien tenu face à ce genre d'attaque et de projectiles ? Oui, tout à fait. Oui. Et vous avez riposté sur quel type d'objectif ? Sur des fantassins postés, beaucoup. Des pas mal de tireurs isolés aussi, qui nous prenaient à partie, en tir direct. D'accord. Est-ce que la mitrailleuse coaxiale a été d'une bonne efficacité ? Ah, tout à fait, oui. D'ailleurs, on a riposté avec la coaxiale, la 762. Et oui, c'était efficace. Bon. Alors, on a été renforcé le samedi, donc nous étions seuls avec les commandos de l'air en premier lieu. À la fin de la journée, nous avons renforcé une section du 21e RPIMA et dans la nuit, à minuit, une section du 3e RPIMA. Donc ces deux sections étaient là pour le combat du dimanche matin. Ça a été très utile, elles ont permis de boucher les intervalles et notamment les fantassins de valoriser le terrain autour d'eux. D'accord. Nous n'avons pas eu de génie pendant les deux premiers jours de combat, qui n'étaient pas disponibles. Donc les engins étaient en défilement de roues, comme on l'appelle, c'est-à-dire posés tels quels, bien en évidence, justement, oui. C'était voulu, mais subissaient tous les tirs directs et indirects. Et les fantassins ont été très utiles, notamment entre les engins. Donc on a vraiment mixé, on a fait ça intelligemment avec les deux sous-officiers, le marçon et le parachutiste. On a mixé, on a placé les armes en fonction de leur capacité. Et on a complètement cassé les structures
des unités pour être vraiment efficace. Pour info, j'ai subi 3 tirs de roquettes et j'en ai observé qu'un sur mon engin. Ce qui veut dire qu'en fait, quand on est en engin blindé, on a un champ de vision très réduit et il faut absolument des gens débarqués sur les côtés qui rendent compte et qui sont à même de répliquer immédiatement. Voilà, donc la cavalerie voit, l'engin blindé voit très loin, mais sur un très petit champ de vision. Et il y a vraiment besoin d'avoir du fantassin débarqué à côté pour élargir et riposter immédiatement au plus près. Voilà, d'accord, c'est un supplément de protection. Oui, on a été, on attendait le lundi matin un assaut de l'aéroport. Les rebelles avaient déclaré qu'ils voulaient prendre l'aéroport. Et la plupart des tirs venaient de la gauche. Et c'est un moyen de fortune qu'on a trouvé. Quand on l'a fait, on a pensé au côté utile et pas trop à l'esthétique. Parce que, donc, comme je vous l'ai dit, le dimanche soir, on nous a annoncé que les rebelles arriveraient le lendemain matin. Et c'est là qu'on a eu les moyens du génie. Et toute la nuit, le génie de l'air a embossé, a fait des embossements pour l'infanterie, pour les engins blindés. Et on s'est mis en place, nous, à 5h du matin. On a continué à valoriser tout ça, à prendre tout ce qu'on pouvait pour nous protéger, les grilles. On a vraiment démonté l'aéroport. Les marsouins et les paras ont valorisé aussi leur poste de combat. Et tout ce qui pouvait nous protéger sous la main, a été bien utile et on les attendait là de pied ferme cette fois parce qu'on était embossés et là on était prêts à tenir.